Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour de nouvelles vitamines SDV. En ce lundi 1er mars, nous entamons le mois du printemps. Bientôt, nous verrons refleurir dans nos jardins toutes sortes de fleurs et de plantes qui vont égayer nos journées. J'aimerais aussi rappeler avec force qu'il y a un renouveau et un printemps à vivre avec le Seigneur, où nous voulons voir cette fois refleurir dans nos cœurs eh bien, tous les composants du fruit de l'Esprit pour apporter un témoignage à la gloire du Seigneur. Ce matin, j'aimerais avec vous décrypter un verset de l'Écriture. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il est dit « Nous tous, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Ainsi, selon la Bible, nous devenons semblables à celui que nous adorons. C'est extraordinaire. C'est à peine imaginable de considérer que nous avons la possibilité d'être changés littéralement, non pas à la ressemblance physique du Seigneur, mais à la ressemblance morale et spirituelle de celui qui est le chef de l'Église. Quel programme ! Et ce matin, j'aimerais aborder quelques éléments de ce verset où il est dit « nous tous », non pas l'humanité entière, bien évidemment, mais nous tous qui avons foi dans le Seigneur, nous tous qui connaissons celui qui est l'artisan de la paix, nous tous qui avons foi en Jésus-Christ, nous sommes changés. Nous tous, même si tu te trouves le plus petit, le plus négligeable dans le corps de Christ, cette vérité s'applique à ta vie. Aie foi dans le Seigneur et sois encouragé que lui peut te changer d'une manière extraordinaire. Nous tous, dont le visage découvert. Paul affirme par ailleurs que le péché met un voile entre nous et le Seigneur. Et si ce matin, il y a devant tes yeux un voile qui te fait voir les choses d'une manière trouble, sache que tu as la possibilité dans la prière de demander au Seigneur que ce voile du péché soit ôté. Tu peux confesser au Seigneur tes lacunes, tes manquements, il ne manquera pas, lui, d'enlever ce voile de devant tes yeux pour que tu aies une vue claire, précise de ce que Dieu veut faire avec ta vie. Nous tous qui reflétons la parole de Dieu est comme un miroir, dit Jacques. Nous devons plonger nos regards dans cette loi parfaite et ne pas oublier le reflet qu'elle nous renvoie. Le miroir, parfois, nous renvoie un reflet qu'on n'aimerait pas voir parce qu'il est exact, il est précis, il est sans concession. Et la parole de Dieu est toujours précise, elle est toujours juste, elle est toujours celle qui nous met en évidence l'état réel de notre cœur. Ne nous soustrayons pas à ce constat de l'Écriture. Regardons. Le diagnostic de la parole de Dieu est essentiel si nous voulons progresser dans les voies du Seigneur. Nous tous, donc, qui sommes transformés en la même image, plus nous tournons les regards vers le Seigneur, plus nous serons semblables à lui. Il y a comme une forme de mimétisme qui s'instaure et qui fait que la parole de Dieu nous donne des détails sur la personnalité, sur le caractère du Seigneur et qui fait que dans la prière, nous pouvons nous approprier ces vérités-là et ces caractéristiques du Seigneur et Dieu nous aide à appliquer cela à nos vies. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Notre traduction dit « d'un niveau de gloire à un autre ». Ne croyez pas que vous allez du jour au lendemain ressembler à la stature parfaite de Christ en un instant, en une seconde, cela prend du temps. C'est littéralement le voyage de toute une vie chrétienne que de désirer ressembler davantage jour après jour au Seigneur. Mais ne soyez pas découragés si vous progressez lent. Il vaut mieux que vous progressiez lentement que plutôt vous stagniez et que vous régressiez. Alors, même si les progrès sont infimes, glorifiez le Seigneur parce que vous êtes transformés de gloire en gloire en l'image du Seigneur. Et cela se produit comment ? Par l'Esprit du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui produit la ressemblance au Seigneur Jésus.
Ce n'est pas vos efforts, ce n'est pas vos capacités et vos aptitudes, mais c'est par la foi, pour ceux qui contemplent le Seigneur, que cette transformation s'opère. Alors ce matin, soyez tous et toutes encouragés qu'il y a un printemps, il y a une progression, il y a une transformation qui s'opère en vous par le Saint-Esprit. Elle est réelle, ne la négligez pas, c'est l'œuvre de Dieu en vous. Soyez bénis, à très bientôt.